Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 17 octobre et cette fois je ne me trompe pas de date. Nous sommes toujours dans les Charentes au château de Briac, donc à 900 km à peu près de chez moi. Et il fait beau et ce matin on prépare une petite surprise que vous aurez l'occasion de découvrir plus tard sur les écrans. Alors, l'équipe, le reste de l'équipe, on peut les scinder en deux. Et ce qui serait intéressant, ce serait de relire, évidemment, la partie définitive, vue, revue, 18 fois, 25 fois, voilà. Simplement comme ça, à titre informatif. Hein. Vous allez vous mettre dans la position du lecteur. Il y a un problème avec l'ordinateur, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de... Ah bon. Donc, je suis en train de résoudre les problèmes. J'adore les ordinateurs qui plantent. C'est ma passion dans la vie. Il faut marcher avec les gens de l'espoir et non pas avec ceux de la défaite. Avec ceux de la fête, oui, mais pas ceux de la défaite. Nos amis de France 2, n'est-ce pas? Philippe Dalmolin, enchanté. Bonjour. Bonjour. Ouais, je vais faire le tour et puis... Nous arrivons au terme de cette croisière et je voulais remercier très chaleureusement toutes les personnes qui nous ont fusillés à bout portant, ou plus exactement dans le dos, et qui ont fait une publicité immense à l'Académie Balzac en nous dessoudant d'une façon assurément intelligente qui témoignait de leur intelligence du cœur, qui témoignaient de leur grand talent. Et là, au nom de l'Académie Balzac et en mon nom, je les remercie de plein cœur. Maintenant, il doit quitter un moment Paris, histoire de ne pas attendre que les poulets viennent le cueillir à domicile. Il a prévu une valise pour 3 semaines, un sac à dos en fait, qu'il a dissimulé sous une cave d'immeuble fracturée 2 heures avant son forfait. Il va le récupérer, laisser la moto à quelques centaines de mètres d'une gare et rejoindre son point de chute. Laisser la moto. Et oui, parce qu'on avait, je m'en rappelle de ça, il avait abandonné. Voilà, après il a abandonné. Mmh. Une fois la bécane abandonnée avec son sac... Moi, je pense qu'il faut qu'il réponde spontanément. Ouais. Au pire, tu refais une relance, mais si, de toute façon, tu reprends le sens de la question. En fait, j'explique. D'habitude, voilà. Quand je fais des interviews pour des sujets. Alors, est-ce que tu sais pour quelle émission de travail? On t'a dit ou pas? Ouais, alors c'est France 2. Antenne 2. Déjà, elle est morte. Non, mais Antenne 2. Normalement, c'est les gens de 75 ans qui me disent Antenne 2. D'accord, donc France 2. Et pas les jeunes. C'est la première jeune qui me dit Antenne 2. C'est hallucinant. C'est pas méchant, en fait. Prends pas mal. Finalement, ce roman se lit très bien. Il est fluide. Il est fluide. Un peu provoque parfois, mais l'idée, c'est de vous faire sortir des trucs que vous avez sur le cœur. Ah, non. D'accord. Voilà. Mio a dit que des horreurs sur tout. Ça fait formidable. Non, mais elle était très franche, c'était super. Franchement, c'était joyeux et on sent qu'elle est hyper heureuse, en fait. C'est bien. Vous êtes belge? Pas du tout. Pas du tout. Je croyais qu'on croyait pas belge à la banque. Oui, c'est DAF. Ah, c'est DAF. Est-ce que c'est moi? Vous. C'est Jean de La Fontaine. Tout le monde connaît ses fables, mais tout le monde ne connaît pas son écriture in extenso. Et pour moi, c'est le meilleur écrivain que j'adore lire. Dans les écrits, je me plonge dans ses écrits de façon régulière, parce que j'apprends beaucoup de choses, à la fois sur la langue française, sur tout ce qu'il a écrit, parce qu'il n'a pas écrit que des fables, hein, il faut le savoir. Et donc voilà, mon écrivain préféré est vraiment Jean de La Fontaine. En fait, on est d'accord, on travaille sur les la partie 5. Non, la partie 4 et la partie 5. Hein? 4 et 5. D'accord. Voilà. Donc, on va les relire ensemble. Voilà, et puis, en marge. Lignes, on voit une répétition. Voilà, dès les premières lignes, il y a la laguna grise et la laguna fonce. Ben on va dire qu'on a un petit peu pris l'habitude des caméras en 17 jours, donc oui, c'est différent, c'est sûr, mais on a quand même appris, pas à les ignorer totalement, mais on s'est habitué à la présence de la caméra. Maintenant. Voilà, au départ, on n'était pas on du tout... On est des people. Ouais.
Ben, en fait, moi, je n'ai pas un auteur préféré, j'en ai deux, homme-femme. Comme ça, je respecte la parité. Alors, tout d'abord, il y a Stephen King. Je l'ai découvert à l'âge de 12 ans avec le roman Cimetière. Et depuis, je n'ai cessé de me mettre au courant de ses dernières nouveautés et de les dévorer. Et la deuxième, c'est la grande reine du crime, Agatha Christie, qui m'a donné envie d'écrire des policiers. Donc, ce sont mes deux références en matière de littérature, Stephen King et Agatha Christie. Et d'ailleurs, si j'avais dû avoir un surnom d'auteur, un patronyme, ça aurait été Agatha Reyes. Ce qu'il y a de plus insupportable dans le château, personnellement, je dirais que moi, ce qui me manque le plus ici, c'est le sommeil. Alors oui, il y a beaucoup d'insectes, ça fait beaucoup de bruit la nuit. Non, sinon, ce qui est insupportable ici, non, je ne vois pas. Moi, je me sens plutôt bien ici, ça me change de tout. Salut tout le monde, c'est Théo. Alors, cette vidéo, c'est juste pour remercier tous les gens qui m'ont soutenu, tous les gens qui ont participé au fait que je sois sélectionné parmi les 10 derniers auteurs de l'Académie Balzac. Voilà, tous les gens qui ont voté pour moi durant toute la campagne, tous les gens qui m'ont soutenu chez moi à Caen, à Paris et aux quatre coins de la France, je vous remercie. Voilà, c'est juste un bisou pour vous. Sans vous, j'aurais jamais vécu ça. Et voilà, je vous envoie tout mon cœur. Voilà. De toute façon, il faut enlever cette répétition. Oui, oui absolument. Ça, il faut l'enlever, c'est sûr. Dans la fosse. Dépose. Bon, mets ça entre guillemets, puis on verra après. Hein. D'accord. Il y a des rebondissements, il y a quelques macabres auxquels on ne s'attend pas. Exactement. Tout le monde meurt, ou presque, ou pas. Oui, je comprends. On ne sait pas. Alors, sans hésitation, c'est Émile Zola. J'ai été bercée, j'ai été élevée à ses livres depuis mon enfance parce que ma mère était une passionnée. À 13 ans, j'avais lu la moitié des Rougon-Macquart et je les relis pour le plaisir. Encore parfois aujourd'hui, donc mes préférés sont L'Assommoir, Germinal, des grands classiques, mais aussi des moins connus, tels Une page d'amour. J'ai un petit peu moins aimé La bête humaine. Au bonheur des dames aussi, était un coup de foudre immédiat avec le volume précédent qui s'appelle Peau bouille. Oui, donc en fait, pour moi, c'est une référence en matière de littérature. Les couilles de sanglots. Il lui semble que sa vie lui échappe, comme si les pores de sa peau exudaient son âme. Peu à peu, elle retrouve une respiration normale. Moi, j'ai quand même la pression, parce que France 2, c'est une chaîne de renommée, et voilà, se dire que... On va avoir un panel en termes d'audimat beaucoup plus large que ce que l'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui, ça met la pression. On a deux jeunes qui voulaient apprendre à écrire, qui voulaient savoir si la carrière d'écrivain était faite pour eux. On a des auteurs confirmés qui ont déjà publié plusieurs ouvrages dans des maisons traditionnelles. On en a d'autres qui avaient pour ambition de parcourir cette aventure et de faire l'expérience humaine que ça allait impliquer. J'ai dit que je vais leur apprendre, mes copines, la chanson de Dalida de Circonstance. Maintenant qu'on est des people, on peut chanter. Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Excellent, excellent. Non, moi, je vais pas chanter parce que ça risquerait d'influencer la météo. Ok, on s'implante. Ouais, ouais. On continue. Le papier, ça par contre, on en a besoin. Le reste, c'est des initiatives de DAF. Alors, les autres parties, papier, sont où? Donc, ici, nous avons la 7 et la 8. Et après, nous refaisons ce qui a été fait ce matin sur le papier, ici. Et ils auraient dû reprendre le papier. Bon. Toi, tu en es où? Ben, j'essaye de lire la partie 4. J'essaye. Voilà. En m'interrompant toutes les 20 secondes, mais j'essaye. Voilà. Tu es en train de travailler sur un fichier? Oui. On n'en veut plus. Oui. On prendra ce que tu as fait. DAF fera l'effort de prendre ce que tu as fait. Oui. Ne t'inquiète pas. Maintenant, si tu veux travailler sur quelque chose, oui, on doit passer 8 copies papier. Oui. On va refaire le travail de passer les 8 copies papier.
Il y en a qui ont été faites. Ouais. Mais si tu veux rajouter des modifs, ouais, tu les rajoutes en rouge sur la copie papier. D'accord. Celui-là, c'est vraiment, vraiment... Elle est belle et on a remplacé par elle est jolie. Non, non, mais... Oui, voilà. Non, parce qu'en fait, il y a deux fois belle, il y a deux fois belle, ah, et ouais, j'ai mis juste jolie ou mignonne, mais quelque chose de ah oui, de mieux. Différent. Oui, voilà, différent, c'est pour ça que j'ai nuancé comme ça. Parce qu'il y avait deux fois belle. Il y a guichante, et oui, voilà. Si tu vois, il faut trouver des mots comme ça. Faut, voilà. Ça a été difficile d'avoir l'énergie d'écrire pour les internautes. Donc là, comme j'ai un peu de temps devant moi, j'en profite pour donner des nouvelles. Parce que l'aventure, elle n'est pas individuelle, elle est vraiment collective. Et avec les auteurs et avec les internautes qui nous ont donné la chance de pouvoir être ici. Ben là, c'est pour montrer qu'il l'interrompt, qu'elle l'interrompt. Il allait continuer sur autre chose, mais elle l'interrompt. Ou alors, Anita, je te remercie pour ces compliments. Je mettrai carrément au début. Alors. Parce que je te remercie, Anita, pour ces compliments, mais ça fait tiens. Ah oui, je comprends. Bah, si tu veux, oui. On inverse juste les trucs. Hein. Vous préférez Anita devant ou derrière? Devant. Devant, on va dire. Oh. Hein, c'est mieux devant. Hein. On ne pas devant. Hein. Bon, on va la mettre devant. Ouais. Ok. Merci pour votre patience. Le sujet passe le 11 novembre. D'accord. Dans cet programme de France 2, présenté par Sophie Damant, produit par William Energy, présenté par Bibi. À partir de midi, il sera visible en replay pendant au moins un an. D'accord, génial. Hyper fastoche. Super. Vous avez été top. Et vous avez été passionnante. En replay, c'est sur internet. Ouais, tu fais France de cette au programme. D'accord. Moi, c'est la chronique société. Ok. Ça s'aligne. Tu verras au milieu, il y en a un autre. Parce que moi, j'habite en Espagne, donc France 2, j'ai pas. Aucun problème. Ouais, nous avons une version. En replay, à partir de midi, le 11 novembre. Merci à vous. Bah non, vous avez été hyper gentil. Merci, on va s'appliquer. On fait ça au milieu. À bientôt.